Hey, salut les kikous! On se retrouve aujourd'hui sur un jeu que je pense que tout le monde connaît, franchement. Puis je vous laisse deviner c'est quoi. Bon, c'est assez simple. C'est du Mario Kart Nintendo 64. Donc oui, j'avais envie. Donc je suis un émulateur de PC pour Nintendo 64. Donc on va prendre Mario. J'ai déjà fait une vidéo en fait sur ce jeu-là. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait la spéciale coupe. Puis j'ai tout mélangé sur une piste. Puis c'était assez drôle quand même. Puis là ben je me suis dit bon, ah ouais, je sais pas quoi jouer. Pourquoi pas faire une autre petite émulation, leur montrer ça. En même temps, si ça donne le goût de, si ça leur donne le goût de pouvoir jouer à ça, m'emmener dans leur vie, bah c'est cool. Donc on est parti pour ce map-là. Moi, je joue un coup. Donc je me suis mis en 25 cc, simplement parce que 50 cc, parce que je suis pas très bon. Et en fait, si je me rappelle les boutons, c'est déjà un miracle. Ah, c'est bon. Ça c'est, ok, c'est bon, c'est bon. Je suis avancé, je suis avancé. Ah, je sais pas les freins par exemple. Ok, ça c'est sauté. Ah, c'est pour la musique. Bon, j'enlève la musique. Ben, je vais juste baisser ça un peu de la musique. Ça c'est pour lancer les attaques. Bon, c'est parfait. On est parti. Donc oui, aujourd'hui je serai motivé pour faire des vidéos. En fait, je prépare plein de vidéos aujourd'hui. Là, je suis en feu. Puis comme l'école là commence, j'en profite pour faire des vidéos pendant que j'ai le temps, pendant que je suis seul, pendant que je suis en feu. Let's go, let's go, let's go. Prends-toi une banane, toi. Ah, comment c'est trop parfait ce jeu-là, sérieux. Pour ceux qui ont joué au Nintendo 64, là, juste à regarder des vidéos, ça doit tellement être fou, là. C'est comme moi, j'aime trop, là. Fois je m'amuse, j'écoute des vidéos, là. Parce que j'ai joué à ça toute mon enfance, moi, j'ai joué à Mario Kart, j'ai joué à ça toute mon enfance avec ma mère. Après ça, j'ai joué à beaucoup aussi. J'ai déjà fait une vidéo dessus, mais j'oublie tout le temps le nom. Super Smash Bros. J'ai joué avec ça à mon cousin aussi quand j'étais jeune. Nintendo pour moi, c'est une de mes plus vieilles consoles. En fait, c'est la première console que j'ai eue. Après ça, j'ai eu la PS2. Après ça, il y a mon cousin qui m'a donné sa PS1, mais bon, j'ai continué à jouer ma PS2, c'est ça. Puis, ah ouais, Nintendo 64, ma première console, là, je n'oublierai jamais cette console-là, voyons. Puis, je pense que tout gamer se doit d'avoir joué au moins une fois à certains jeux précis sur Nintendo 64. Du genre Mario Kart, Mario Tableau, Mario Party. Même Super Smash Bros. Maintenant, c'est rendu tellement un grand jeu, tout le monde se doit d'avoir joué à ça au moins une fois. Bon, moi, la Nintendo, j'adore, je suis super motivé pour faire des vidéos. Ça me tentait de jouer à ça, je sais pas pourquoi, donc bah, let's go, c'est parti, pourquoi s'en tenir, hein? Donc, s'il y a des intéressés par l'émulation, vous écrirez en commentaire, m'enverrez un petit message privé. Puis je vous dirai tout quoi télécharger ou trouver les jeux et tout. Vous allez voir, c'est rien. Non, je me suis pris une banane arrivée près. Vous allez voir que c'est rien de très très compliqué à installer. Vous installez le programme, vous téléchargez votre jeu. Et après ça, il faut jouer avec une manette d'Xbox par exemple. Donc si vous n'avez pas de manette d'Xbox, essayez même pas. Ou une manette de PC. Et voilà, ah voilà, j'arrive premier à la première course, donc course un peu plate. On tourne en rond, donc c'est pas très grave. Ça reste un bon jeu. Donc, allez, 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 on passe à d'autres choses, on passe. Allez, 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 je sais que je vais gagner, de toute façon, je suis trop fort. Bon, c'est quelle course, la ferme Meumeu, je pense. Oui. La ferme Meumeu. Ça aussi, une belle map, je trouve. Moi, c'est la musique de ce jeu-là, me fait capoter. En fait, je sais pas si vous entendez bien parce que j'ai assez baissé le son là. Parce que je voulais pas vous faire chier avec ça, là, parce que sinon on m'entend pas là. Je pense que c'est le problème majeur de mes vidéos, ça. Je baisse le son pour m'entendre pas là. Ah merde, je vais la balancer en arrière, bonsoir.
Ouais. Très très bon jeu. Je sais pas si tout le monde a vu Oh, oh merde, je savais que j'allais m'en prendre. Je sais pas si tout le monde lit la description, mais... Si vous ne lisez pas la description, je conseille de lire parce que je mets tout le temps... je dis tout le temps des petites choses assez importantes de temps en temps. De temps en temps, je mets quelque chose d'assez important dans la description, puis on sait jamais des fois que je mets de quoi d'important, puis vous manquez ça. Ça peut être chiant. Puis je mets aussi tout le temps mon site pour ma chaîne YouTube dans la description, donc pour ceux qui n'ont jamais encore été voir mon site, pourquoi pas y aller. C'est pas quelque chose de gros, vous avez ma présentation, la présentation de la chaîne, vous avez toutes mes vidéos bonus, vous avez aussi des petites nouveautés, la catégorie nouveauté que je poste des choses que je poste seulement sur le site. Donc pour ceux qui vont pas sur mon site, je vous conseille peut-être d'aller voir de temps en temps ce qui se passe dans les nouveautés. Et la catégorie KSN, donc ma team, présentation un peu de la team. Mais ouais, c'est ça. Donc vous irez voir ça, si vous êtes jamais allé voir, je mets tout le temps le site dans la description. Donc seulement cliquez sur le lien, ça va vous rediriger sur mon site. Puis vous avez juste à regarder un peu. Souvent aller voir les nouveautés, on sait jamais ce que je peux poster. Oh, je suis arrivé premier, je pensais pas. Donc c'est ça, si vous lisez jamais la description, vous l'ouvrirez, vous allez voir mon site. Au pire, si vous voulez pas tout le temps la description, vous mettrez vos favoris, je sais pas quoi. Faites un icône sur votre bureau, faites ce que vous voulez, mais allez voir une fois de temps en temps, on sait jamais. Donc voilà, là on s'en va pour la course, la plage, si je me trompe pas, la plage, je sais plus quoi, mais la plage en tout cas. Ouais, la Koopa Troopa Beach. Ah, je sais pas ce que j'ai, mais aujourd'hui, je suis motivé. Je me suis levé un matin. En fait, je me suis fait réveiller un matin. J'étais plus ou moins de bonne humeur. Je suis monté chez nous. Je suis allé dans ma cuisine. Je me suis fait à manger. Mais c'est let's go, ça va faire les vidéos. Je sais pas pourquoi. Ça me tentait bien aujourd'hui. C'est cool. De toute manière, il faut que je vous en prépare pour l'été, donc c'est cool. Au moins là, tout va être prêt. C'est parfait. Oh, roule. Avec Mario, on roule avec Mario, on roule avec Mario. Wow. Hey, Yoshi, tu t'en vas, merci, bonsoir. J'ai un peu violé les autres par exemple, mais bon. Ah merde, j'ai un enfant d'argent frère, regarde. Tu vois, je me transforme en fantôme, j'ai un autre coquille verte, ah ben gadon. Non, c'est un petit peu hasard sérieux pour ceux qui demanderaient comment j'ai fait, si j'ai un hasard. Hey, tu lances pas de coquille de banane. Moi, tu vois, je t'ai lancé une coquille. Pourquoi je peux me juste des coquilles vertes, hein? C'est quoi là, c'est un rack là? Luigi Yak? Hey, Luigi. Ah ouais, en arrière. Tu prends pour qui? Merde. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais savoir. Mais bon, si je réussis à me faire quand même pas mal d'abonnés, j'aimerais peut-être m'acheter un HD PVR pour pouvoir vous faire des vidéos sur console. Mais bon, pour l'instant, ça sert un peu à rien parce que le nombre d'abonnés que j'ai, au prix que ça va coûter mon HD PVR, faire des vidéos pour 20 personnes, c'est un peu inutile, mais c'est vrai que si je serais capable de me rendre à une centaine d'abonnés, peut-être qu'un HD PVR ça pourrait être utile pour faire des vidéos sur la Xbox, sur la Wii, un peu sur tout ce que j'ai. Donc j'avoue que ça c'est quelque chose qui pourrait être assez cool, j'avais un peu plus d'abonnés. Donc, je suis en train de penser à ça, là, mais probablement que si je me fais des abonnés, je vais m'acheter ça, puis
Donc pour une fois, des vidéos sur Wii et sur Xbox. Et merde. Donc, ce serait parfait. Ça ferait surtout plus de jeux à proposer. Plus de let's play aussi à pouvoir proposer. Plus de petites vidéos détente. Ce serait parfait, 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 parfait. Et voilà, encore premier. Easy, easy money, easy money, je vous dis. C'est... Ouais. Bowser, encore dernier, comme d'habitude. Il prend ça relax, lui, hein. Faudra qu'il se déniaise. Donc, là, après ça, on s'en va sur ma course. Ma deuxième course préférée sur ce jeu. Parce que ma course préférée, c'est la course arc-en-ciel. Quand même, quand même. Et là, on s'en va sur ma deuxième course préférée. Donc, le chemin d'espoir, donc je sais pas comment ça s'appelle, le Calimari désert. Bon, moi j'appelle le chemin d'espoir, parce que sérieusement. Message à tous ceux qui ont joué à ce jeu-là jeune. Qui a jamais suivi la rail de train? Franchement. Vous allez voir. Pour, déjà pour ceux qui ont joué, ils savent de quoi je parle, mais voilà, la rail de train, des fois il y a un train qui passe comme ça, il faut attendre. Mais qui s'est jamais amusé à essayer de suivre la règle de train pour voir où ça allait mener? Franchement, qui? Personne. Tout le monde a déjà fait ça. Moi, en tout cas, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'allais sur la règle de chemin fort, puis je sais pas, je m'amusais à faire le tour. Je faisais le tour de la piste comme ça. Pendant un heure, je pouvais m'amuser à faire le tour, puis à essayer d'éviter le train. C'était à peu près impossible. Chaque coup, je me le prenais. Mais bon, que de souvenirs de jeunesse, que de souvenirs de jeunesse. On vieillit. On a la fucking école. Je pense juste à ça, sérieusement. Je parle peut-être beaucoup de ça un peu dans mes vidéos, mais je pense juste à ça, la fucking école qui recommence bientôt. Ah! C'est comme avec l'école recommence, là, je vous fais une vidéo. Chiale de l'école. Je vais vous dire tout ce que j'aime à l'école, ben en fait toutes mes classes, toutes mes profs, toutes mes matières. Puis vous allez peut-être plus comprendre pourquoi j'ai pas honte à l'école. Non, je vais être talent en arrière. Ouais. Ah, il m'a lancé une banane. Fuck, il m'a lancé deux bananes. Le petit fou. Aïe, Luigi me suit de près. Non, je vais lancer en arrière sur Luigi. Le check ça, c'est moi qui va se la prendre. Je savais, hein, c'est pour ça que je l'ai ralenti. Oh, ça me fait chier avec tes bananes. Franchement, en HDPVA, je pense que... Je ferais tellement de vidéos sur Mario Kart Wii. En même temps, peut-être j'y rejoue. Ouais, j'en profite pour faire des vidéos aujourd'hui. Ça fait déjà 3 vidéos que je vous fais aujourd'hui, mais... Mes parents sont pas là, je suis pas motivé. C'est parti. Bon, j'essaie surtout de faire des vidéos en fait quand mes parents sont pas là. Parce que ils se couchent tôt, ils se lèvent tôt aussi, fait qu'ils veulent pas se faire déranger. Dans la journée, je pourrais, mais bon, j'aime pas trop faire des vidéos quand ils sont là. Ben moi aussi, j'ai eu une petite idée. Ce serait bien que vous me dites si ça vous intéresse. Mais j'ai de les filmer en train de jouer. Parce que je pense que ça pourrait être assez drôle, quelque chose de drôle, puis en plus de ça, ils sont pas si mal. En tout cas, mon beau-père, il est pas si mal. Bref. La course est finie, j'ai encore été premier. Bowser, 6e, première fois de la partie qui n'est pas dernier. Il est bon. Donc voilà, voilà, voilà. On va avoir droit à la petite cinématique de fin, je vous laisse regarder ça.
voilà, je suis premier assez facilement. Et voilà, et voilà, et voilà. Donc, notre vidéo va se terminer ici. J'espère que cette petite vidéo détente avec Mario va vous avoir fait plaisir. Puis si ça vous fait plaisir, cette vidéo comme ça, dites-moi là, je vais en faire plus. Puis j'augmenterai la difficulté, que ce soit encore plus chiant. Puis même que si vous voulez, j'en ferai avec d'autres mondes, genre Yugin puis Reglis, on jouera à deux. Donc c'est parfait, c'est parfait. Donc c'est ça, si vous voulez ça, écrivez-moi en commentaire, puis puis on fera ça, on s'arrangera pour faire ça. Donc bye tout le monde, laissez un petit pouce vert, abonnez-vous si vous venez de découvrir ma chaîne. Si vous voulez pas vous abonner tout de suite, allez juste écouter 2-3 vidéos. Si vous aimez, abonnez-vous après. Puis c'est ça, fait que bye tout le monde, je vous aime.